Alors, je vous rappelle le 16 décembre 2016, donc la métropole s'est prononcée sur le principe de délégation du service public pour la gestion du réseau de chauffage principal avec mise en concurrence. Nous arrivons aujourd'hui au terme de ce processus avec l'attribution de la délégation. Trois candidatures avaient été reçues en date du 20 avril 2017 et deux offres seulement ont été remises le 25 septembre 2017. Par le groupement Horizon et par la compagnie de chauffage. La négociation avec les deux candidats s'est déroulée de novembre 2017 à janvier 2018. Les offres définitives ont été remises le 29 janvier. Ces offres ont fait l'objet d'une analyse détaillée. C'est cette analyse qui est présentée dans le rapport du président qui vous a été transmis. Dans sa conclusion, le président, dont je porte la parole ce matin, vous propose de retenir comme délégataire du service public la compagnie de chauffage de l'agglomération grenobloise. Je vais brièvement revenir sur l'analyse des offres expliquées dans le rapport du président et le contrat de concession qui vous a également été transmis. Brièvement, car le rapport du président comporte 60 pages, le rapport de la commission de délégation du service public et son annexe comporte 77 pages, et le contrat et ses 28 annexes comportent 507 pages, ce qui fait, pour être plus moderne, un total de 46,5 mégaoctets d'informations rendues publiques et qui concernent cette délégation de services. Je ne peux pas être exhaustif dans mon discours ce matin, je dois nécessairement simplifier et je vais essayer de ne pas dénaturer le contenu du rapport, qui est le document officiel qui présente les motifs des choix et l'économie générale du contrat. Alors, quelques rappels, la métropole prend à sa charge les centrales de production, avec en particulier la construction de Biomax, et le délégataire verse à la métropole une redevance pour l'usage des centrales de production de chaleur. La durée de la concession est de 15 ans. Les sujets sur lesquels les candidats ont été jugés sont par ordre décroissant d'importance, les tarifs, la qualité technique, la qualité environnementale, la qualité du service et enfin les risques supportés et les garanties apportées. Un mot sur les tarifs. Le prix proposé par la compagnie de chauffage est globalement supérieur de 8% par rapport à l'offre d'Horizon. Globalement, parce que le tarif se décompose en plus de 20 coefficients qui correspondent à divers éléments de coût. Ensuite, la qualité technique. Les deux candidats proposent des citernes de stockage de chaleur pour effacer les pointes de consommation. Mais c'est en termes de programmation du renouvellement du réseau que l'offre de la compagnie de chauffage est meilleure, avec 6 millions d'euros en gros entretien et renouvellement en moyenne par an, contre 4,5 pour Horizon. Cet effort de la compagnie de chauffage pour maintenir la qualité du réseau est estimé à un surcoût tarifaire d'environ 2 euros par mégawattheure. Globalement, et pour imager les offres, un outil est mis à disposition pour rendre un service public. Dans un cas, le service est facturé moins cher au client, mais au bout de 15 ans, le réseau est rendu en moins bon état que dans l'autre cas, avec un service plus cher, mais donc un meilleur entretien. Troisième point, la qualité environnementale. Les deux candidats proposent de nouveaux combustibles renouvelables en substitution du charbon. Les propositions de recherche et développement de la part de la compagnie de chauffage sont beaucoup plus importantes et ancrées localement. À noter aussi que les certificats d'économie d'énergie sont prévus d'être employés localement par la compagnie de chauffage, mais nationalement par Horizon. Quatrième point, la qualité du service. Le nombre d'employés prévus par Horizon est sous-estimé, notamment en termes de conduite, car l'automatisation ne peut pas tout régler. De grands efforts sont faits pour améliorer les relations avec les usagers, et aussi pour rendre compte aux délégants. L'offre de la compagnie de chauffage est plus détaillée et plus complète. Cinquième point, les risques et les garanties.
il y a un moindre engagement du candidat Horizon sur les garanties et des assurances de responsabilité civile moindres. Sur ces 5 critères, donc, la compagnie de chauffage fait une meilleure offre pour 4 d'entre eux et la pondération conduit à retenir l'offre de la compagnie de chauffage. Je dois encore dire quelques mots sur l'évolution du nouveau contrat par rapport au contrat actuel qui s'achève donc en juin 2018. Les améliorations sont très sensibles pour la transparence, les comptes à rendre aux délégants, les relations avec les usagers, la qualité environnementale, avec une augmentation plus importante que prévue dans le cahier des charges, des combustibles renouvelables ou de récupération. L'engagement dans la durée est aussi plus explicite. Donc voilà en 130 kilo-octets le résumé de 46 500 kilo-octets.